Alors salut à tous, dans un instant nous partons pour Ilika, c'est un coin super intéressant. Ilika c'est de ce côté je crois, donc on va vous faire vivre l'expérience unique Ilika et on va vivre ça maintenant. Merci beaucoup. Ilika, ce matin. Super cool. Ah ouais. Ce matin. J'ai mis mon panier en route pour Ilika, Ilika. Ouais, on va au champ. Quand on arrive au village, on va au champ. Alors donc c'était là l'entrepôt. Oui, l'entrepôt c'est là. Le bâtiment qu'on voyait là. Et moi bien à l'époque. Ouais. L'entrepôt c'est. Et la machine était. Donc ils avaient leur groupe de relais pour alimenter l'usine de raffinerie. Enfin le pompage. Juste en bas là. Et tout ça là, il y avait des palmiers. Les gars là ont abattu ça. Ils ont abattu là. Ils ont fait leur pompage. C'est chaud. Ok, donc voici l'usine d'Agro Gabon, c'est complètement abandonné et voilà, il est important qu'aujourd'hui on apprenne à aimer notre pays, c'est triste quand même, c'est vraiment triste, mais on continue notre route pour Ilika. Hey, yora ni tangi yibwe. Qui est là? Tu fais quoi là? On est en route pour Ilika et puis on fait une petite pause là dans une belle petite cuillère. Maman Yvonne. Comment l'Islaire? Oui, il y a Mais c'est notre Ah, c'est Ilika, hein? En route! Hé, là! La gloire de la première maison. On part à Ilika. Oh, mais elle a arrêté ce matin, mais maman, il fait. Oui? C'était versé, wow! Oh, mais maman, il se lève pas. Ah, oui! Non, mais il y a de quoi sous la vue, là? C'est top! C'est top, oh! Ah, c'est le goût. Là, il y avait un pont. Ici, hein. Oui, il y avait un pont ici à l'époque. Elle nous dit que. Elle nous a dit que quand le Seigneur va. Quand son tour va arriver, le jour où le Seigneur va l'appeler, on va se marier. Ne pleurez pas, hein. Il faut se marier. Tu es sûr? C'est que tu as déjà semé là. Come on.
Chipa imbani tange, imbani tange. Beba lili ton maréchi, na beba lili ton dandembi. Beba lili ton mapindi, bebo chipa imbani tange. Oh, ton dandembi bubwe. Déjà à la montagne Misanga. Ici là vous avez poursuivi le poule. Je viens, je monte. Mais dès qu'il est même encore là-bas. J'ai dit mais j'ai dit changer. Ouais. Wow. Ah, vraiment. Voilà, c'est une jolie petite rivière appelée Misanga. C'est très joli. Voilà, on est toujours en route pour Ileka. Et oui, ici c'est l'entrée d'Ileka, les gars, c'est chaud. Il y avait la grande route ici, mais voyez quoi, à quoi ça ressemble maintenant. S'apercevoir les maisons d'Ileka, voilà, et oui, donc c'est chaud, très chaud. Thank you.
Les demoiselles. Mm-hmm. Ok. C'est la maison des demoiselles américaines. Aujourd'hui, c'est juste des ruines. Et oui, c'est le Gabon. Donc là-bas, il y a une école et d'autres logements. Voilà, c'est incroyable. Mais tout est dans... Alors maintenant, voici le temple d'Ilika, c'est là. Là, le célèbre temple d'Ilika, un temple historique, enfoui, oublié, un lieu de retraite pour les chrétiens de Moabi. Alors vraiment, le temple d'Ilika est ici, c'est vraiment historique. Et oui. Et nous rentrons dans ce temple historique d'Ileka. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Waouh, c'est extra, c'est merveilleux. Alors voici le temple d'Ileka. Ok, donc là nous sommes en train de sortir du temple Ileka, c'est là, c'est ce célèbre temple de ESMJ, toute une histoire. Et oui, là je suis à Ileka, c'est inédit. Donc, c'est vraiment génial. Sainteté, que ma vie à jamais te revienne. Et oui, j'ai chanté à Ileka, l'une de mes compos. C'est inédit. Donc voilà, on dit bye bye à Ileka et puis on continue de nuit. Bon, on laisse le temps. Et puis bon, merci, on reste connecté. C'est un point historique de l'ESMG. Voilà quoi. Alors voici le précipitaire d'Ileka. C'est incroyable. Je dis pas que ça a jamais logé un pasteur. C'est ici. Ok, mon Dieu. Et oui, tout ça c'est Ileka, c'est le terrain, le patrimoine de l'ESMG. Donc vraiment, nous faisons découvrir ce site historique oublié à quelques mètres de la province, non, à quelques mètres de la ville de Moabi. Donc voilà quoi, c'est génial. Et puis, c'est bon de découvrir ça. Tout ça, ça appartient à l'ESMG. C'est incroyable. Bon, vraiment, c'est chaud.
Et là, c'est un ancien verger. Et c'est chaud. Il est cas. Un coin oublié, quoi. Ok, donc voici la maison de Cook. C'est un missionnaire. Voilà, c'est lui qui gérait Ilika. Bon, voilà, ça ressemble à ça. C'est la maison du pasteur missionnaire Cook. Et oui. C'est là où il était logé. Maintenant, on retrouve les autres. Ouh, c'est chaud. Cet endroit historique dans la province de la Nyanga. On se rapproche des fruits et on a beaucoup ici. Oui. Donc, c'est vraiment génial. Il est cas. Donc c'est le verger, voilà, je suis très heureux de faire découvrir Ilika. J'espère que vous avez vraiment aimé, on se donne rendez-vous prochainement, vraiment. On ne pouvait pas arriver à Moabi pour ce programme sans visiter ce point historique. Donc Ilika, ça faisait très longtemps que je voulais voir cet endroit, je voulais faire un peu découvrir. Et oui, maintenant je crois que je vais aller manger les mandarines avec le professeur Eli Music School. Ouais, le monsieur capacien. Ah, il est là, il est là, il est dans les herbes. Il y était, il est cas. Donc voilà, on va mettre le générique de fin et puis goodbye quoi. C'était vraiment le vlog, vous faire découvrir il est cas, un coin vraiment oublié. Et oui, c'est ça il est cas. Merci et à la prochaine. Il est cas. Je suis en pleine forêt. Moi, ça faisait du bien. Oh là là. Oh. Oh, pardon. Ouais, il y a des fourrous. Ils sont en train de sucer les oranges. Hein? Je raconte quoi, les mandarines. C'est super. Hein? Trop cool. Conduis-moi Saint-Esprit, conduis-moi Seigneur, conduis-moi je suis, pour que mon chemin soit pas dérouté. Conduis-moi Papa, oh, conduis-moi Seigneur, sur le chemin de la vie. Il vient bientôt, réponds-toi. Il vient bientôt, Yeshua. Il vient bientôt, fortifie-toi. Il vient bientôt, Yeshua. Il vient bientôt.